Eh bien, salut les amis, c'est le Barbu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Star Send. J'avais oublié presque le nom. J'étais en train de me balader et là j'ai trouvé un truc, mais genre magnifique, mais vraiment magnifique, je vous dis. Y a pas pour le troisième épisode de la série sur Star Send. Ça sera vraiment magnifique. Oh là là, cette étendue d'eau, elle est superbe. Tiens, il avait soif de ouf. Il avait vraiment vraiment soif. Toute l'eau qu'il y a. Et regardez ce qu'il y a. Genre, il y a des zèbres. C'est stylé de ouf, je sais pas ce que je peux faire avec eux. Des zèbres. Des chameaux. Ah, vous pouvez apprivoiser un dromadaire en le nourrissant. Vous devez le faire deux fois, mais il faut attendre un peu avant de le nourrir à nouveau. Ah ouais, mais genre, je le nourris de quoi? Genre, je peux lui donner quoi à manger? Ah non, ça c'est. Ah, il veut peut-être que ça. Canapé. Chambre. Métier, un tissu pour obtenir du tissu naturel, fabriquer des cordes, une tige végétale. On va en faire plusieurs. Oh! Allez. Oh merde! Pendant en pleine vidéo, j'étais en train d'éternuer. Vous n'avez rien à manger. Ah, mais il a mangé l'ananas. Ah, est-ce qu'ils peuvent manger de la banane? Non, mais c'est trop stylé cet endroit. Genre, c'est le paradis. Bah, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire ici, mon truc. C'est sûr, à ma base. Pour faire une base, ça va être carrément lourd. Hein. Ok, il a déjà tout tapé. Toi, tu viens de manger. Le dromadaire a été nourri. Ok, donc là, concrètement, je dois attendre. Je suis où là au niveau de ma bouffe? Ok. Et on va juste en manger une seule. Voilà, comme ça je suis bien. Là je suis vraiment stylé. Waouh. Stylé. Honnêtement, je kiffe, je surkiffe, je nage. Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu mon premier boss aussi, enfin boss. Oh! Genre, mon dromadaire à faim. C'est lequel? Putain, après, je pourrais tout faire avec un dromadaire du coup. Mais c'est génial! Ça veut dire que je nourris, c'est tout. Alors attends, je pense que c'est lui. Oh! Billy le dromadaire. Hey Billy! Oh, fabriquer une selle pour attacher d'autres accessoires. Mais c'est trop trop lourd. R pour chevaucher. What? E pour descendre un dromadaire. Et what? Mais c'est trop génial.
Ah ouais, il y a juste votre dromadaire à faim. Il a déjà faim? Billy, t'as faim? Appuie une seule fois sur T pour ordonner aux dromadaires à proximité de vous suivre. Appuie deux fois pour qu'ils arrêtent de vous suivre. Genre, je peux avoir une armée de dromadaires. Bah, du coup, on va se poser ici, hein. C'est sûr. Cet endroit, il est génial. Genre, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, je suis arrivé de là-bas, moi, je crois. Ouah, mais c'est trop lourd. Regardez-moi ça, ce décor en plus. Oh là là, ado de dromadaire. Avec les aurores boréales et tout. Je sais pas que dans les airs on pourra. Oh! Oui, c'est quoi tout ça là? Une tempête de sable. Elle est où la tempête? Elle est chelou là-bas. J'avoue, c'est ultra chelou. J'arriverai à la remplir. Oh mais non. C'est horrible. Attends, ça c'est d'où je viens. Ah mais genre en fait c'est... Ah c'est peut-être en fait que je suis allé au-delà en fait. Ok, ça c'est le bord de map. Ouais, ok, d'accord. J'ai découvert le bord de map. Par contre, je m'en rappelais pas avoir vu ça tout à l'heure là. Pourquoi je peux plus y accéder Je suis quasiment sûr d'être passé par là moi tout à l'heure. Putain, c'est trop chelou. Je suis paumé dans le désert. Donc ça en fait c'est la bordure de la map. Ok. Ça ne disparaît pas. Froid. Bah ouais, je sais bien Bob que t'as froid. Y'a pas le choix ma gueule. Faut que je retrouve d'où est-ce que je viens. Quand t'es dans le désert. Faut que je fasse gaffe pour me prendre un copyright parce que je chante tellement bien que je pourrais me prendre un copyright. Ça serait quand même ballot. Allez. Mais c'est où les pylônes là, les poteaux? M. J'ai aucune idée de où est-ce que je suis. Je n'ai aucune idée. J'aurais dû mettre un marqueur. J'étais bête. Parce qu'avec un marqueur, j'aurais pu me repérer direct. Oh. Je suis perdu dans le désert. Avec mon dromadaire. Degrés.
Putain, le mec il se les pèle en plus. Ce que j'aurais voulu faire là, c'était vraiment atterrir à mon. Bah, je sais que j'ai froid, mon bois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas faire un feu, j'ai strictement rien à. Et après, le pire, c'est qu'il faut que j'arrive. Ah! Ok, c'est bon. Donc là, après, faut que je trace un trait comme ça, clac. Que je passe par là et que j'aille tout droit. Voilà, ça là-bas, c'est mon spot. Ça là-bas, et eh ben, j'aurais réussi à retrouver mon chemin. Je vais devoir péter tout mon petit village. Parce que là-bas, au final, ça me sert à rien de vivre là-bas. Puisque du coup, il y a l'autre, je pense, qui est en plein milieu de la map. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des fruits, il y a trop de trucs à becter. Moi je suis bien content parce que du coup sur cette game là je suis pas mort encore une seule fois. J'ai pour la première fois quand j'ai tapé le jeu, j'ai réussi à le gérer direct comparé à Raft où je suis mort plein de fois, où j'ai recommencé plusieurs fois parce que j'avais du mal à le... Ah mais c'est quoi ça? Ah mais genre ils étaient pas ces bestioles là avant. Impossible de taper ça. Bon désolé du coup petit crabe, petit crapaud, je dois m'occuper de toi. Pied. Waouh mais c'est génial. Donc il va falloir que je. T'as faim toi ou pas? Le dromadaire a été nourri. Ah ouais, on voit du coup s'il a vraiment faim ou pas. Mais c'est que c'est trop lourd. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Vidéo où je découvre Billy. Voilà, je vous présente Billy. Billy le dromadaire, ça fait trop plaisir. Eh ben merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.